Merci. Si vous aviez la chance de voir ce que je vois d'ici, la salle est bondée. Il y a de moins en moins d'air tellement tout le monde est exalté. Merci, premièrement, première chose, merci, ça me touche énormément. La première chose que je veux dire, puis je vais parler de ce résultat qui me touche énormément, mais je veux tout de suite lancer le message qui est évident lorsqu'on se trouve ici et qu'on vous regarde. C'est une période exaltante pour militer au Parti québécois. Qu'on passe le mot aux quatre coins du Québec, il y a un parti qui bâtit l'avenir, qui bâtit un avenir meilleur et qui le fait dans la bonne humeur, le respect et l'optimisme. C'est un constat très clair quand je vous vois. C'est une période exaltante, je dirais même incroyablement intéressante, pour militer au Parti québécois et donc bâtir notre avenir collectif. Une période exaltante pour travailler à réaliser notre objectif principal, celui de faire du Québec un pays normal qui rayonne partout dans le monde. C'est aussi un moment, une période durant laquelle on peut prendre une petite pause ensemble et célébrer notre solidité et notre persévérance dans l'adversité et pour la suite des choses, bâtir sur ces qualités-là dans ce qui nous attend pour notre projet important. Comme le disait si bien la chanson, nous sommes non seulement toujours vivants, mais en fait, nous sommes plus forts et plus motivés que jamais. Donc, quatre ans devant nous à travailler sur ce qui nous anime, sur ce qui nous inspire, 4 ans à parler d'avenir, 4 ans de stabilité et de ressources constantes pour vous soutenir, pour faire et travailler sur l'essentiel, pour livrer de la qualité, 4 ans pour dire aux Québécoises et aux Québécois que notre option est non seulement la seule option viable et digne, mais elle est également essentielle, incontournable, pour la pérennité de la langue française et de notre existence dans cette Amérique du Nord, presque entièrement anglophone. Et pour revenir au vote de confiance, qui est un sujet émotif, évidemment, je ressens votre énergie, puis j'en suis tellement honoré. Je veux vous remercier, vous, chers militants et militantes, de m'avoir accordé un appui aussi élevé. Obtenir un appui de 98,51 %,
c'est non seulement significatif, mais c'est un geste qui va droit au cœur, à la lumière de ce qu'on a vécu côte à côte dans les derniers mois, c'est-à-dire des montagnes russes. Il y a plusieurs personnes ici qui ont fait des sacrifices importants dans des situations exigeantes. Il y a des gens également qui avaient des choix entre se serrer les coudes ou peut-être faire autre chose, ou des fois il y a une tentation dans une formation politique d'être plus insatisfait quand il y a des temps exigeants. L'adversité fait partie de la politique. Et comme formation politique, nous avons répondu en se serrant les coudes, et je pense qu'il y a là quelque chose qui est vraiment inspirant. Donc, au-delà du caractère émotif, solennel de ce vote de confiance, ce résultat produit un espace de travail inouï et une légitimité, un esprit d'équipe pour entreprendre les quatre grands chantiers pour l'indépendance que nous avons promis de réaliser aujourd'hui. Le geste que vous avez posé aussi me donne plus de confiance, plus d'espace pour être votre voix dans l'espace public. C'est aussi un geste qui me donne de l'énergie et qui, je pense, nous donnera tous de l'énergie, et Dieu sait si on va en avoir de besoin, car nous avons une immense tâche devant nous et d'énormes responsabilités à travers le prisme de l'avenir du Québec. Donc, prenons cette énergie-là. Et prenons un peu un pas de recul pour apprécier de la manière dont on a réagi quand ça comptait, puis la beauté du moment que ça produit. Moi, ça me touche énormément. Je veux remercier un certain nombre de personnes. Premièrement, je veux remercier mon ami et chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette, qui est encore ici à nos côtés et qui nous a encore appuyés, qui nous a appuyés avec autant de vigueur et de sincérité que durant notre campagne. Je sais qu'il y a plusieurs députés du Bloc qui sont présents ici, donc merci. On a vraiment apprécié votre soutien durant la dernière campagne électorale et on a vraiment hâte de vous rendre l'appareil. Je prends aussi un moment pour saluer Ensaf Haïdar, ancienne candidate du Bloc et femme de Raif Badawi. Ça fait un an aujourd'hui que Raif Badawi a eu sa semi-libération. On est honoré que tu sois là et on pense à vous. Un mot également pour souligner la présence d'Andréane Fiola. Où est-elle? Récemment, j'ai vu une jeune politicienne se comporter en entrevue et sur le terrain comme quelqu'un qui fait de la politique depuis 5 ou 10 ans. Je ne sais pas si vous avez vu son entrevue à LCN, c'est un sans-faute, mais en plus d'être un sans-faute, c'est rempli de sincérité, de rigueur et de cohérence. Et c'est intéressant parce que des jeunes de talent, avec énormément de potentiel, dont les noms ne sont pas encore connus, mais que je suis convaincu que dans quelques années seulement, ils auront un impact substantiel et déterminant sur la politique québécoise. Des noms comme ça qui ne sont pas connus, des jeunes talents, il y en a plein dans cette salle. On a tellement de jeunes talentueux que je pense qu'on peut dire qu'on a plus de jeunes espoirs que le Canadien de Montréal. Et ça, c'est pas peu dire. Chers amis, je pense qu'il y a plusieurs choses dont on peut se féliciter, dont on peut être fier, même si devant nous, il y a encore plusieurs défis. Je pense évidemment à notre bataille de serment au roi, à notre excellente campagne électorale également. Rappelons que les Québécois et Québécoises se sont prononcés sur la campagne qu'ils ont le plus aimée, et c'était la nôtre. Je pense surtout au regain d'intérêt marqué, tant dans les médias que dans la population, quand on va au restaurant ou dans un centre d'achat. Un regain d'intérêt pour ce qu'on fait, puis ce qu'on incarne au Québec. C'est toujours délicat aussi de parler de ça, mais je dois mentionner quand même le classement d'appréciation des politiciens, dans le cadre duquel les trois mousquetaires
se démarque vraiment en termes d'appréciation, et c'est vrai pour les trois. Et je le mentionne parce que c'est un thème qui, dans ma vie, revient souvent. Les trois mousquetaires, on vous aime, lâchez pas. C'est aussi simple que ça, c'est souvent pas des commentaires sur une politique publique précise, mais c'est souvent, on vous aime, lâchez pas, et ça ressort dans les chiffres. Je pense que ça doit être mentionné, puis je pense qu'on a vraiment du fun aussi à faire équipe. Ça a beaucoup de valeur, ça. Mais toutes ces données et ces victoires sont marginales par rapport à celles dont je veux vous parler. La semaine dernière, nous avons eu la confirmation que l'appui à l'idée d'indépendance du Québec était à son plus haut depuis au moins une décennie. Nous avons appris que notre cause mène par 7 points. Elle mène par 7 points chez les francophones, des chiffres qui nous auraient semblé absolument invraisemblable, impensable, il y a à peine quelques mois. Des chiffres qui démontrent quelque chose, à mon avis, c'est que notre approche porte ses fruits. Nous faisons renaître une flamme au Québec, la flamme de ceux qui s'assument. On en a parlé beaucoup en campagne électorale, mais j'y reviens, parce que c'est en train de donner le goût à de plus en plus de Québécoises et de Québécois de s'assumer à leur tour, de dire haut et fort à leur tour, nous aussi, on s'assume et nous aussi, on veut un avenir pour le Québec qui soit positif, qui soit lumineux. Nous aussi, on veut l'indépendance du Québec. Et à travers ces mouvements-là, ces mouvements rapides sur des questions qui sont fondamentales pour nous, bien, il y a aussi des constats comme le fait que de plus en plus de Québécoises et de Québécois prennent conscience que l'avenir que le Canada nous réserve, et nous en avons la preuve à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois, c'est un avenir où les Québécois sont conviés à devenir une simple note de bas de page dans un livre qui s'écrit sans nous. En fait, c'est un livre qui trop souvent s'écrit même contre nous. Et les Québécoises et les Québécois en prennent acte. Ça devient un fait partagé, compris par la population. Un livre qui s'écrit contre notre désir de protéger la langue française, qui s'écrit contre notre désir de protéger adéquatement l'environnement et de lutter contre les changements climatiques. Un livre qui s'écrit contre notre désir de prendre nos propres décisions en matière économique, de gérer intelligemment nos frontières, qui s'écrit contre notre désir également d'accueillir et d'intégrer avec dignité tous ceux qui se joignent à nous. Donc, ce que je vois en ce moment, c'est que l'indépendance est en train de devenir, et je dirais même est devenue en date d'aujourd'hui, une absolue nécessité. Une nécessité immédiate. Elle s'est transformée de quelque chose, il y a à peine quelques mois, de quelque chose qui se décrivait comme un projet ludique, théorique, peu probable. On se retrouve avec un projet qui se doit de réussir absolument, non seulement à l'échelle de l'histoire, mais à l'échelle de ce qu'on veut donner immédiatement à la prochaine génération et à l'échelle de problèmes très concrets pour lesquels le Canada nous condamne au déclin. La question devient immédiate et je le souligne parce que ça va influencer notre militantisme des prochains mois et des prochaines années. Cet engouement renouvelé, il nous vient également de quelqu'un qui, à tous les jours, bien malgré lui, nous fait la démonstration involontaire que le Canada ne fonctionne pas. Et je parle bien sûr du premier ministre du Québec, François Legault. Depuis 2015, François Legault nous vend une bien drôle d'idée, on s'en est parlé à chaque fois qu'on a eu la chance de se rencontrer, l'idée qu'on ferait des gros gains. Puis je vois, j'entends qu'il y en a qui ont vraiment travaillé leur imitation, merci. Ça me relève de l'affaire à chaque fois. Pascal est impressionné, puis il travaille beaucoup sur cette imitation-là. C'est parce que ça va faire bientôt 5 ans. Bientôt 5 ans de gouvernance caquiste. Et posons-nous la question, que reste-t-il
du programme nationaliste de François Legault et de ses demandes au fédéral. Non seulement la totalité des 21 demandes se sont soulevées par des échecs cuisants et éclatants, mais je dirais maintenant qu'il y a quelque chose de pire qui s'est installé. Auparavant, on a déjà obtenu des noms rapides et indifférents d'Ottawa, de Justin Trudeau, à des demandes pourtant fondamentales. Bien, cette indifférence, elle s'est transformée depuis en mépris, pour ne pas dire en humiliation. Il faut le nommer. Il faut le nommer parce qu'on le vit tous, ce sentiment-là, lorsque des choses fondamentales comme soigner notre monde deviennent très difficiles en raison de ce genre de moment-là. Combien de cas nous le démontrent? La santé, certes, mais le désintérêt total pour la question du chemin Roxham, la triste croisade contre le français de députés libéraux qui manquent au Parlement fédéral sous le regard complaisant de Justin Trudeau. Les exemples sont nombreux, s'accumulent, et c'est de plus en plus gênant, c'est de plus en plus intenable pour le premier ministre. Et vous l'avez vu, si vous suivez un peu ce qui se passe à l'Assemblée nationale, vous l'avez vu dans plusieurs questions des réactions de François Legault qui deviennent de plus en plus intempestives. Et vous savez que nous, au Parti québécois, en fait, je vous pose la question, comment est-ce que nous, on réagit devant l'humiliation, le mépris et le manque de respect? Bon, on l'a démontré dans la séquence du serment au roi. Nous, on réagit en se tenant debout, droit, et en ne lâchant pas le morceau. Or, je reviens sur ce qui se passe en chambre parce que j'ai maintenant la possibilité de poser des questions directement au premier ministre. Il nous répond par une feuille qu'il sort et là, il se met à énumérer les ententes administratives avec le Canada. Comme si ces moments d'échec et d'humiliation n'existaient pas et qu'on tentait de s'accrocher à une liste de gains administratifs qui sont en fait nettement en deçà de ce que Philippe Couillard, l'ultra-fédéraliste, a lui-même obtenu dans le mandat précédent. Donc, en résumé, ce qu'il me répond, puis vous regarderez chaque question parce que c'est très constant comme phénomène, il me dit « Moi, je suis content d'envoyer mon argent à Ottawa parce que des fois, quand ça leur tente, de temps en temps, il nous revient un petit peu de cet argent-là. » Qui veut ça? Qui va se dire, hey, ça a bien du bon sens, ça? On est passé du fédéralisme de gros gains au fédéralisme de c'est mieux que rien. C'est ça qui arrive. Et. Ouais, c'est ça qui est arrivé. Et c'est gênant. C'est gênant, je le ressens. Je vois des députés de la CAQ. Je le vois, leur nom verbal. Et c'est surtout gênant quand on sait d'où vient François Legault, quand on sait qu'il n'y a pas si longtemps, il était assis avec nous dans cette salle. Et lorsqu'il parle, en rétrospective, lorsqu'il parle de louisianisation du Québec, je pense qu'il le pense vraiment. Lorsqu'il parle, il affirme que sans les pouvoirs en immigration, il craint pour la survie de la nation. Je pense qu'il le croit vraiment. Mais ce qu'il refuse au fond de lui et ce qu'il refuse de faire publiquement, c'est de dire, réaliser une chose, c'est que les échecs successifs de la doctrine fédéraliste de la CAQ, elle a des impacts réels, tangibles et immédiats sur notre population. Ce n'est pas de la théorie, là, c'est pas à qui s'entête le plus dans un point de vue. Ça a un impact concret. Il doit réaliser à ce stade-ci que la seule chance d'obtenir les pouvoirs nécessaires pour freiner le déclin du français, pour soigner notre monde, pour assurer la survie de la nation, pour reprendre ses termes, c'est de réaliser l'indépendance. C'est la seule conclusion logique et sérieuse qui s'impose de soi en date d'aujourd'hui. «
De sorte qu'en date d'aujourd'hui, justement, je peux affirmer en toute confiance et avec énormément de sérieux qu'il y a davantage de chances que l'indépendance du Québec se réalise que de chances qu'on obtienne des pouvoirs significatifs à Ottawa. C'est maintenant une réalité. Donc, vous comprenez la transition de contexte politique qui est en train de s'opérer. C'est déterminant. Ça ouvre une fenêtre historique. L'univers politique se transforme. L'univers qu'on a connu il n'y a pas si longtemps, comme je disais, c'est l'indépendance, le projet ludique, le projet hypothétique, le projet facultatif. Et ce projet, rapidement, est en train de devenir une urgence immédiate, sentie, une condition sine qua non à la survie linguistique, culturelle, mais également, rappelons-le, économique et environnementale. Donc, faites l'addition de ces sujets-là en termes de portée dans la population, d'importance pour la population, et lorsque le constat est limpide, ça fait beaucoup de monde à mobiliser, beaucoup de gens qui vont lever la main. Et c'est ça qui nous attend, à mon avis. Dans ce nouvel environnement politique, ce nouveau contexte, donc, le Parti québécois doit se distinguer en assumant complètement ses convictions, c'était le thème de notre congrès, en assumant complètement, entièrement son option, avec le plus de constance et de cohérence possible, dans l'espoir que ce leadership à court terme influence la CAQ, qui est le gouvernement, mais également tous les autres partis politiques, et bien évidemment, l'ensemble de la population, c'est notre devoir dans les circonstances, notre devoir envers la nation québécoise. Et à ce titre, je me permets une parenthèse, vous avez pris note comme moi que mon estimé et vénéré collègue Pascal Bérubé a lancé un défi à un autre parti politique dernièrement. C'est dans le cadre de la partielle de Saint-Henri-Sainte-Anne. Il s'est adressé à Québec solidaire et leur a lancé un tout petit défi. Le défi est simple, c'est de faire une seule, pas deux, pas quatre, pas six, une seule sortie, un seul communiqué, une seule déclaration publique sur l'indépendance du Québec ou la protection du français. On va prendre une seule sortie sur quelque chose là-dessus. Or, malheureusement et tristement, cette invitation est toujours restée lettre morte. Je vous en parle parce qu'un journaliste influent à une radio très écoutée disait il y a quelques jours que QS était indépendantiste une journée sur deux. Or, dans cette partielle-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont été indépendantistes 0 jour sur 32. Mais je reviens sur le « une journée sur deux ». C'est une formule intéressante et ça me soulève plusieurs questions. Combien de personnes ici dans la salle est indépendantiste une journée sur deux? À main levée. Quelqu'un? Qui ici assume ses convictions un jour sur deux? À main levée. Quelqu'un? Qui assume ses convictions en matière d'environnement et de lutte au changement climatique une journée sur deux? Qui souhaite une journée sur deux qu'on réduise les inégalités sociales? Qui souhaite une journée sur deux qu'on prenne soin de nos tout-petits, qu'on protège nos aînés? Qui souhaite une journée sur deux protéger le français? Qui? Bon, donc il n'y a pas de main levée, je pense que je peux fermer le vote. Donc, il y aura des partis pour des convictions une journée sur deux, des convictions à temps partiel. Mais à tous ceux qui nous écoutent, qui ont des convictions à temps plein, qui rêvent d'un monde meilleur et qui veulent que leur action politique soit cohérente en tout temps, bien, votre maison, elle est au Parti québécois.
On veut un pays et on va l'avoir. Donc, si nous pouvons aujourd'hui, en terminant, si nous pouvons aujourd'hui vivre ce beau moment ensemble, je le rappelle parce que c'est important pour moi, c'est marquant dans mon évolution personnelle en politique et avec vous. On peut vivre ce moment aujourd'hui parce que dans l'adversité réelle, on a été capable de sacrifice et de serrer les coudes. Et c'est ce que je veux mentionner de plus important pour moi sur le plan personnel. Je vous ai vu réagir quand ça comptait. Puis aujourd'hui, ça a lieu grâce à l'effort de plein de gens que j'ai vus faire les bonnes décisions, prendre la bonne approche, être respectueux des choix qu'on avait faits lors de la refondation de ce parti au niveau de le caractère positif, constructif, collaboratif de notre parti. Ça a fait une différence immense. Et ne vous trompez pas, il y aura d'autres moments d'adversité sur notre chemin qui mènera à la création d'un pays, à la création de notre pays. La route qui s'amorce devant nous ne sera pas facile. Elle sera remplie d'embûches, de semaines à oublier, de mois éprouvants et même d'erreurs des fois, de bonne foi. La route vers la liberté des petites nations est une chose qui n'est jamais acquise d'avance, mais qui est absolument nécessaire et légitime. Nous devrons donc être préparés, solides sur tous les points. Et vous, si ça peut vous donner espoir, je reviens d'un voyage en Europe où sur ce chemin-là, je peux vous assurer qu'il y aura plusieurs personnes qui vont nous tendre la main en toute amitié pour le Québec. En fait, je sors de mon discours, mais je veux juste souligner à quel point la France, dans ce voyage-là, les Français et des gens influents en politique ont été généreux et bienveillants dans leurs commentaires pour le Québec, pour la francophonie en Amérique. Je pense qu'il y a là quelque chose pour la suite des choses, j'y reviendrai, mais nous sommes vraiment entourés du moment qu'on s'assume pleinement et qu'on nomme notre projet. Et ce que je vous promets donc à ce niveau-là aujourd'hui, c'est que pour les prochaines années, on va profiter d'un environnement stable où tout le monde est focalisé pour arriver à des réponses honnêtes, rigoureuses, à des questions parfaitement légitimes qui se posent dans la population quant à le fait de devenir un pays. C'est normal, c'est légitime, il y a quatre chantiers qu'on amorce. Nous serons dorénavant donc équipés comme jamais pour se lancer dans ce voyage exigeant et passionnant vers ce changement absolument nécessaire. Mes chers amis, même si on ne sait pas exactement ce que l'avenir nous réserve, et je vous ai dit lors du congrès, dernier congrès, je vous avais cité Papineau, si je me souviens bien, « Fais ce que doit, advienne que pourra ». Aujourd'hui, je veux vous dire que beau temps, comme aujourd'hui, ou mauvais temps, comme on a déjà connu, on a une chance inouïe d'être ici. Une chance inouïe d'être membre du seul parti politique qui porte un réel projet de société digne de notre potentiel collectif comme nation. Une chance à tous les jours de se lever et de faire de la politique qui donne du sens, qui a du sens, une politique qui inspire. Une politique, un engagement politique qui est plus grand que nous-mêmes, en fait. Et nous avons, maintenant, pour la première fois depuis très longtemps, un contexte qui nous est de plus en plus favorable. Il y avait un chroniqueur, parenthèse, qui disait que l'avenir du Parti québécois est entre les mains de François Legault. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer dans les journaux. Et je vais en profiter pour le corriger très amicalement et lui dire que le destin du Parti québécois est bel et bien entre les mains du Parti québécois, car tout cycle politique a une fin. Et la fin des règnes vient beaucoup plus rapidement lorsque des tendances lourdes s'installent et lorsque les échecs s'accumulent au point de devenir la norme. Alors, ce qu'il nous reste à faire dans ce contexte-là, c'est simple, travailler, donner tout ce qu'on a pour livrer la meilleure qualité possible en vue de 2026. Il y a un article qui disait « c'est repartir la machine ». Je pense qu'on peut dire oui, que dans les derniers mois, puis encore aujourd'hui, on a reparti la machine et on a tellement de fun à le faire. Donc, donner un sens à l'engagement, au final, de plein de générations qui nous ont précédés,
Je salue nos plus anciens, des générations qui ne sont plus là. Des générations qui nous ont quittés, d'autres qui sont toujours là, puis qui m'interpellent toujours pour qu'on aille le pays pendant qu'ils sont toujours là. Et des plus jeunes générations qui nous interpellent en disant « c'est ma première fois, puis je suis vraiment content d'être ici ». Donc, donner un sens à cet engagement-là, donner un sens également à la citoyenneté d'un paquet de personnes qui ont choisi le Québec et qui regardent le destin étrange et tellement unique, tellement beau du Québec et qui se disent « c'est intéressant et j'aimerais en faire partie, j'aimerais être part entière à ce projet-là ». On a une responsabilité envers tout ce monde-là pour être enfin une nation en possession normale de son territoire, désormais capable de veiller à ses propres intérêts et au bien-être de tous ses citoyens en toutes circonstances. Vive le Québec libre! Merci beaucoup!